Attention, prêt, riez. C'est la journée mondiale du rire le 7 mai. Chaque année, le premier dimanche de mai, le rire est célébré à travers le monde depuis 1998. Selon les sondages, nous rions en moyenne 60 secondes par jour, alors qu'il faudrait rire 10 minutes au quotidien pour avoir des effets positifs sur notre santé. Déjà, c'est bon pour le moral. Nous avons demandé aux Ivoiriens s'ils rient et ce qu'ils pensent du rire. Bon, le rire, d'abord, ça représente, c'est un état de joie. Étant chrétienne, nous, chez nous, on dit, la Bible nous dit qu'il faut être toujours joyeux. Donc, il faut toujours être en train de rire. Ça dégage l'énergie, ça donne la santé, en tout cas, c'est une vitalité. Donc, quand j'ai la joie, quand il y a la comédie, quand on me taquine, voilà. Je ris parfois quand ça me plaît. Quand je suis heureuse, je ris aussi. C'est quoi le rire pour vous? Qu'est-ce que ça vous donne? Bon, le rire, ça représente la bonne humeur. C'est tout. Quand tu as une bonne humeur, là, tu ris souvent. Est-ce que vous aimez rire, monsieur? Oui. J'aime beaucoup rire. Oui. Et dans quelles circonstances vous riez? Oh. Quand il y a les scènes comiques, je ris. Quand je suis content, je ris. Pour moi, le rire, ça soigne. Pour moi, le rire, ça soigne. Rire, un être humain normal doit au moins rire toute la journée. Parce que rire, ça représente la joie qui t'anime. Donc, pour moi, le rire, ça soigne. Parce que une expérience que moi-même, je vis, quand je me réveille le matin, dès que j'ai une bonne nouvelle, que je souris, toute la journée, ça me va. Et j'aime beaucoup rire parce que ça déstresse. Et en tout cas, le rire, c'est bon. Pour moi, le rire, ça soigne. Il est très important de respecter les acteurs comédiens parce qu'ils font beaucoup pour nous dans la vie. Le rire, ça soigne. Pas trop. Pourquoi? C'est mon humain, moi. Mais le rire, là, qu'est-ce que ça représente? La joie. Ça représente la joie, le bonheur. Mais il y a des fois aussi que tu te sens pas bien. Tu es triste. C'est pas tout le moment, il faut sourire. Il y a les moments de joie, il y a les moments de peine. Mais ça dépend de dans quelles conditions tu te trouves, au fait. C'est ça qu'il s'agit. Si quelque chose me fait rire, ça me fait rire, je ris beaucoup. Ça dépend aussi des choses. Voilà, les bonjours 2000, là. Donc ça me fait rire, je ris. Le rire aussi est très important. Voilà, ça détend. Ça fait que tu oublies un peu tes soucis et tu es relax. J'aime sourire, j'aime rire aussi. Je ris quand il y a les bérets. Je souris quand il va dans le coin, bien chichi. Bon, le rire, c'est une manière de s'évader, de se faire plaisir. Dans quelles circonstances toi tu ris? Je ris quand je suis heureuse. Souvent aussi, je ris quand les situations me dépassent. Souvent, tu es tellement dépassé, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ris. Eh bien, tu souris. Parce qu'il y a la joie, moment de gaieté et tout, je ris. Et puis, souvent, devant quand il y a une blague, les petites vidéos, voilà. Ça fait rire. Bon, ça représente quelque chose de bon. Et puis, c'est bon pour la santé, en fait. C'est bon pour le cœur. Voilà. Voilà, je souris. Le rire ou le sourire? Le rire. Le rire. Oh, c'est la manifestation des sentiments qu'on extériorise. Hein? Le rire, c'est la joie. Hein? C'est la satisfaction, hein. C'est la concrétisation d'une joie, hein, d'un événement heureux. Voilà. Donc le rire, c'est presque un médicament. Hein. Ça soigne, hein. Ça permet d'avoir
une évolution morale, mentale, et de se sentir bien dans sa peau et avec son entourage. Combien de fois je ris tout le temps. Je ne peux pas compter. Hein, on ne peut pas dénombrer le nombre de fois que je ris dans la journée. Parce que par ma foi religieuse, quelles que soient les vicissitudes de la vie, il faut toujours montrer que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, vous a donné plus que ce que tu espérais. Et c'est lui qui peut te donner plus que ce que tu n'espérais pas. Donc il faut toujours rire avec l'espoir qu'un jour, jusqu'à ce qu'il te rappelle à lui, qui te donnera toujours la joie et le bonheur matériel, moral, sentimental, etc. Voilà. Donc le rire, on ne peut pas dénombrer le nombre de fois l'on rit dans la journée. On rit tout le temps. Moi, je ris tout le temps. Hein, parce que je ne veux pas faire croire à mon entourage que je suis accablé des difficultés. Voilà. C'est ça, un signe de foi. Il faut toujours rire pour que l'entourage ait confiance en toi en tant que père de famille, pour que l'entourage soit rassuré. Voilà. C'est quand je vois des trucs qui me font rire, je ris. Voilà. Il y a des choses, souvent je suis assis, je pense à certaines choses qui font rire le passé. Bon, je me mets à rire, je ris. C'est le rire représente quoi pour vous ? Une joie. Bon. Bon, c'est la joie qui fait rire, au fait. Voilà, quand tu as la joie au cœur, tu ris. Et quand tu penses à des choses, il y a des choses même qui sont là, qui font rire. Bon, tu vas rire. En tout cas, tu vas rire. Moi, en tout cas, le rire, c'est une joie pour moi. Je ris beaucoup. Le rire, ça soigne, ça guérit. Voilà, même quand tu es à l'hôpital, tu es couché, que tu es malade, tu es très malade, tu vois des choses. En tout cas, quand ça, tu vois, tu penses à certaines choses, tu ris et ça te... Ça te remonte et vraiment ça te donne la force. Même actuellement, mais je ris en tout cas. Quand tu as la peur du cœur, il n'y a rien de tel quoi. Tu es toujours souriante. Moi, tel que moi, je suis beaucoup souriante. Et j'aime beaucoup rire. Et le rire rajeunit. Et ça rend. Ça, je ne sais pas comment les mots me manquent. En tout cas, quand tu ris, ça te rajeunit. Et ça ne sera pas bon de serrer le visage en tant qu'une chrétienne, telle que moi. En tout cas, je suis beaucoup souriante. Je ris beaucoup. À la maison comme dehors, je suis beaucoup souriante. Comment vous appelez ? Bon, moi, je m'appelle Yann. Yann, bon. Je suis Peul Koumen et mon nom Koumen, le nom que ma mère m'a donné, c'est Yann. Le nom de mon papa, c'est Bintou. Oui, Keita Bintou Yann. Oui. Merci. Ok, merci. Le rire, c'est la joie, c'est l'enthousiasme. Un rire, ça développe beaucoup d'aspects joyeux à l'homme. Et c'est très bon, c'est très important de rire. Parce que quand tu ris, ça te permet d'ouvrir un peu l'esprit. L'esprit, ça te permet d'être un moment de joie. Quoi. Donc rire, c'est très important pour la vie d'un homme. Voilà. Non, souvent, je ris le plus souvent. Je suis beaucoup souriant, donc je ris plus quand j'ai une causerie amicale, il y a la comédie, tu vois. Les gens, voilà pourquoi j'aime regarder les films comiques, parce que j'aime rire. Rire, c'est très bon. Quand tu sais, tu as le visage, tu es toujours stressé, c'est les maladies qui viennent là-bas. Donc faut rire, mon frère, libère-toi, faut rire. Hein? C'est très important de rire. Tu vois, toi, ta main, tu as tes rires là, ça me plaît bien. Tu vois, là, tu ris. Donc, ça me fait rire aussi. Mais si tu es fâché, mon frère, comment on va rire? Il y a deux personnes qui rient ensemble.